Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 12e épisode d'une sortie d'un remaster PS4 tourné à la suite du précédent épisode. Et justement, qu'est-ce qui s'était passé du coup dans le dernier épisode? On avait d'abord eu affronté un petit labyrinthe sympathique et original, qu'on a un peu galéré des fois, mais on a réussi à le vaincre et ensuite on a rencontré des choses qui sont assez importantes dans l'intrigue. Je dis bien des choses, c'est des bêtes. On ne sait pas l'origine de ces bêtes, on ne sait pas d'où ils viennent, mais en tout cas voilà, on les a croisées. Ils ont tué d'ailleurs notre cher tendre ami, mais également ennemi Eddie Raja, donc RIP à lui. Et ben on est reparti du coup, hein, et on est dans un espèce de bunker là. Et je suis mort, voilà, je suis mort, super. Moi qui voulais, tu vois, 75 trucs, bah c'est mort, hein. On dirait. Il fallait monter en fait, ok. Ah mais je sais pas, tu mets une vue comme ça, tu vois que le truc se prolonge, pour moi bah, il faut descendre, je sais pas. C'est plus logique, bah non, faut monter. Je sens que je n'aurai pas mon trophée, hein. Chaque fois, faut que j'arrive à mourir au pire des moments. Toujours, toujours. Question de... Bah une question de principe, presque. Hein. Ouais, je dirais que c'est une question de principe, ça. Hop. Ouais, c'est chaud là. J'ai tenté le diable, mais je suis passé, donc je te dis que c'était bien là. Je te poche pourquoi je fais un accent. Vous semble pas les bien ça aussi. Oula. Ouais. Hop. Tata. Les petits sauts. Ok. C'est chaud quand même, hein. Pas faire le con surtout, c'est ça en fait le truc principal. Ok. Continuons, continuons. Alors, à où on arrive? Je vois pas du tout là où on est finalement. Sullivan, réponds. Oh yeah. Ah, ça sert à rien, ça capte pas ici. Ah non mais là de toute façon on est vraiment bien sous terre. Hein. Niveau communication, on va dire que c'est pas le meilleur endroit. Oh la bonne MP40. À défaut de pas pouvoir l'avoir sur Advanced Warfare, on va l'avoir sur Uncharted 1. C'est déjà ça finalement. C'est le petit point positif. Tintin. Ouais, ici il y a plein d'issues, hein. C'est fourbe comme endroit. Cul-de-sac et cul-de-sac de l'autre côté, donc non. Finalement on n'a pas non plus pléthorie de choix. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Plein de mines d'MP40. Vous savez hein, ce que ça fait quand il y a tant de munitions, c'est qu'il va y avoir du fight. Vous pensez vraiment qu'il y aurait des pirates ici? Non, je pense pas. Donc c'est qui qu'on va rencontrer? Les bêtes. Et ouais, vous voyez, hein, c'est vraiment. C'est méthodique finalement comme raisonnement. Voilà. Tu perds un point et tu rejoins l'autre. Bon bah je crois que c'est on a fait le tour. Hein. Ça va? On est bien niveau mun. On est plutôt bien. En même temps, de toute façon, on en a bien besoin. Donc. Ok. Bon bah vas-y. Oh merde. Je pensais pas qu'il arrivait maintenant. Ils m'ont surpris là. Ah non, je pensais que j'allais avoir un peu de calme. Non, finalement, ils viennent m'attaquer direct. Ok. Bon, bah avançons discrètement. Même si je sais que je me ferai attaquer. Ce connard. Merde. Grenade fail. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce petit fail. Oh non. Oh non, il y a deux issues. Vas-y, je vais par là parce que je sens ici c'est l'issue cul-de-sac. Ouais, pas forcément d'ailleurs. Ah, ici c'est un cul-de-sac. Et ici là. Cul-de-sac. Avec trésor! Figurine de singe en or. Ok. Je sais pas ce que tu fous là, mon petit singe, mais. Tu devrais pas être là. Voilà. Voilà.
Donc, c'est bien un cul-de-sac. J'ai choisi le bon premier chemin. C'est un bon choix. Putain, des fois, ils prennent pas ces bêtes, là. Ok. C'était encore que des fois, non? Ah, mais pourquoi j'ai... Non! Pourquoi j'ai pu... Ah... Attendez, on va les examiner de plus près. Waouh. Waouh. So beautiful. À un moment, ils seront un peu plus parce que là, ça va encore. Hein. Ils arrivent par petits groupes de deux. C'est plutôt gérable. Ah, mais après, les choses vont un peu se corser quand même, quoi. Histoire de bien s'amuser. On s'amuse bien, ça se corse. Lolilol. Lolilol, j'adore m'amuser. Lolilol, c'est trop funny. Lolilol, on entre dans une pièce. Ça doit être la salle des machines. Ah bah super, la salle des machines, c'est là où on devait se rendre, non, pour l'électricité. C'est l'électricité hein, qu'on doit activer. Tu dis pas de conneries? Non, je dis pas de conneries. Ça doit être ça, ça doit être ça. Ouais, bon, c'est bon. On peut progresser. Si je me souviens bien, ouais, il y a les espèces de trucs de cage, là, derrière, là. On a les trucs d'électricité, mais... On voit très bien qu'ils sont fermés, sur le coup. Comment ça se passe, du coup? Comment que ça se passait, déjà, ici? Il y a un truc activé, sûrement... honnêtement, dans l'immédiat, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Si, ici. Merde, c'est dans l'autre sens qu'il fallait tourner. Bien évidemment, faut se tromper de sens. Normal, logique. Parce que là, pas de problème. Dieu soit loué. Ok. Salle titre 19, des invités gênants. Ah, pour être gênant, ils vont être gênants. Hein. Vous voyez, du coup, là, on enchaîne vraiment bien les chapitres. Hein. Il y en a 24, si je me rappelle bien, au final. Donc, ouais, on rapproche bien de la fin. Et regardez comment ils sont rapides, ces fourbes. Bande de fourbes. Je crois qu'hier, la grenade. Une fois, c'était une grenade vraiment intentionnelle, tu vois. Même si elle a pas provoqué les essais escomptés. Non, je pensais que ça aurait été un peu plus efficace. Ah, dommage. Je sais pas si je dois fuir. Non, je dois rester ici, hein. Les tuer. Je sais pas. Je sais plus. On va rester les tuer. Si on se rend compte qu'ils spawnent en unité, on va se dire, ouais, bon, finalement, faudra peut-être partir. Non, c'est pas le cas, ils spawnent pas en unité. Donc ça a ouvert les... porte ou juste une porte? Non, juste une porte. Ouais, juste une porte. Donc c'est par là la suite. Par ici, mon petit. Oh, lui, on l'a tué assez rapidement. Par ici, la suite. Là, ils peuvent pas escalader. En plus, c'est connard. Bien joué. Même si on n'a pas de connard, là, d'ailleurs. Et oui, du coup, on a l'autre côté qui est ouvert également. Avec des petites bêtes. Oh, je vous aime. Oh, je... Non, mais vous pouvez pas savoir à quel point je les aime, c'est peut-être bien sympa là. Quand ils arrivent à 3 comme ça. Wouhou! Oh lui! Le jump qui a fait. Oh mais laissez-moi, je suis prêt là, laisse-moi sortir d'ici. Ah mais laissez-moi! Surtout, tu peux pas leur donner une belle baffe là. Un bon gros coup de poing, ça ne marche pas. Eh non. T'aurais beau essayer, ça ne marchera pas toi. Ok, on est sorti. Là c'était un peu le gangbang violent, tout à l'heure on pouvait pas sortir. Par contre c'est bien qu'il nous ait donné une mission infinie comme ça. Ça aide plutôt. Bonjour, laissez-moi passer je vous prie, merci. C'est un plaisir. Les grenades, ouais. Est-ce qu'on va avoir besoin des grenades justement, non? On va voir. C'est quoi encore couverte? Non, 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 non
Vous voyez que j'ai déjà pris cher. J'ai déjà pris cher, j'ai dit. 30 tués au MP40 déjà, tu vois. Ça, ça va vite au moins. C'est le moment là vraiment pour tenter les 75 sans mourir. Hein. C'est le moment. Si on n'arrive pas à mourir pendant cette vidéo, on va dire en gros, ce sera plutôt bien lancé pour faire le trophée. Parce que je veux le trophée. Je suis un semi-trophy hunter, je cherche pas à avoir tous les platines des jeux, mais ça me fait plaisir d'avoir beaucoup de trophées en général. Donc c'est pour ça là. Même en plein respect, toi tu tentes. Tu tentes. C'est bon? Je crois que c'est bon. Il y a toujours des... je crois que c'est bon, hein. Oui, oui, bien entendu. Mais bien entendu. Là par contre, oui, là on peut dire que c'est bon, non? Spawn illimité, tu vas me dire? Ah, si y a spawn illimité, moi je vais faire le connard, je reste là, les tuer. Ouais, il y a spawn illimité là, t'as moyen de te faire du plus facile finalement. Oh là 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 là, je m'en rappelais pas ça que tu veux attraper les connards. C'est nouveau ça? Non, non, c'est pas nouveau. Mais ah merde. C'est pas nouveau, ça c'est sûr, mais c'est vachement étonnant. Dans la forme ainsi que dans l'esprit. Voyez-vous. Je vais peut-être pas non plus rester là en 20 ans. Je veux juste vraiment savoir si c'est spawn limité ou... Ouais, c'est spawn limité, c'est sûr. Là, il n'y a aucun doute. Allez, on va y aller du coup. Je ramasse juste les munes et c'est bon. On y va. Quoique. Il n'y en a plus là. Ah si, il y en a. Bon, adios hein. Je pense que j'en ai tué assez là pour le moment. C'est pas possible, quelle journée pourrie. Oh j'avoue putain, parce que là je vous raconte ce qu'on fait, les aventures là qu'on fait depuis le début de l'espèce, ça se passe dans une seule journée. Une seule journée, hein. Et il s'en passe des trucs, hein, mais... C'est la grosse poisse, en général. C'est la grosse poisse. Bon, du coup, on est bien lancé, en tout cas, pour le trophée des 75 éliminations sans mourir, là. Parce que je l'ai bien boosté, on va dire. Avec tout ce que j'ai tué. Oh, ces trucs ont dû s'occuper de leur sort. Bah, je pense bien, hein. C'est pas moi qui ai fait ça, donc... Par contre, là, je sais plus bouger, hein. Comment je vais sortir de là? Ok, donc ça c'est... Oula, oh non, il y a trop de chemin là, vous êtes pas sérieux. Ici, je pense que c'est un cul-de-sac. Par pure déduction. En effet, c'est bien un cul-de-sac. Oh mais attends, non, on retourne finalement où on était avant. C'est par là où on est arrivé. Oui, c'est par là où on est arrivé. Je crois que c'est ici hein, la suite. Ouais. Les démons me traquent dans les ténèbres. L'or de l'Eldorado porte une terrible malédiction. Les Espagnols ont libéré les enfers et en deviennent les suppôts. Mes hommes ont tous été assassinés, me laissant seul avec notre quête. Aucun navire ne quittera cette île. Je les ai tous détruits et j'ai noyé la cité maudite. Un mal si terrible ne doit jamais quitter ses rivages. En cet instant ultime, je remets mon âme à Dieu, qu'il pardonne en cet endroit maudit. Francis Drake. Mon Dieu.
Oh non, pas encore. Ok, donc on sait à peu près maintenant ce que c'est et quelle est la raison. Ils ont du coup été maudits, une sorte de malédiction, à cause du trésor justement de l'Eldorado. Le trésor qu'on recherche depuis le début, donc qui serait maudit finalement. Et qui aurait transformé bah, tous les... ces nazis hein, du coup je crois bien, en ces zombies. Zombies mutants, les zombies comme ça, non, c'est rare. C'est rare dans le milieu. Donc ouais, c'est vraiment très très intéressant tout ça. Je te cache pas derrière la chaise toi, hein. T'avais vu. Est-ce que là c'est encore spawn limité? Non, je pense moins là par contre. Ah si, c'est spawn limité encore. Quoique... Non, c'est bon. Ok. Bon, au niveau mune, je suis bon. Je viens d'où? Je viens d'où? Là est la question. Bah, faut retourner en arrière, en fait. C'était juste là pour activer la cinématique. Donc, ouais, on peut retourner. Ah, je suis complètement perdu après. Hein. C'est un vrai labyrinthe, ce bunker. Par ici, je crois. Oh non, pas du tout. C'est un cul-de-sac. Ah, c'est par où, c'est par où. Sachant qu'on vient de là. Mais il a été ici. Ah, oh, je suis paumé, c'est horrible. Ah, ici c'est cul-de-sac. Et par là, c'est là où on avait enfermé les autres bêtes. Donc j'ai dû rater quelque chose. J'ai dû rater quelque chose dans la salle où il y avait le projecteur. Ou alors c'est dans les environs justement de cette salle. Mais il est clair que j'ai loupé un truc. Donc ce serait par ici. Hein. Par contre, c'est horrible ces bruits là que font les lumières. Waouh. Oh, mais taisez-vous quoi. Il y a peut-être un truc activé justement dans cette salle. Hein. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre justement, comme je le disais, de venir ici juste pour une cinématique. C'est ici. On a trouvé la suite! Parfait, excellent. Excellent ici, mon cher Jean-Louis. Tournons dans le bon sens. Eh ben non, c'était l'autre sens de tout à l'heure. Merci de me feinter sans cesse. C'est gentil, c'est sympa. Bon, il y a encore des bêtes ou ça se passe comment? Je suis habitué, mais non, ça me fait ni chaud ni froid. Hein. Pas de trésor. Putain, les derniers épisodes, il y avait plein de trésors, mais là, à partir du dernier épisode, justement, bah, il n'y a plus rien. Hein. C'est sec niveau trésor, c'est sec. On trouve plus de trésors. Hein. C'est triste quand même. Bah allez, hein. Continuons. Là-dedans 5 sur 5, enfoiré. Oh, pas de micro de votre côté. Quel dommage. Nate, ça... Laissez-la tranquille, sale fils de... Ah. Navarro, si tu n'arrives même pas à contrôler une pauvre fille... Ça n'arrivera plus. Croyez-moi. Désolé pour cette interruption. Je voulais juste vous dire merci pour nous avoir menés à Eldorado. Bien sûr. Oh, vous ne m'en voudrez pas si nous... Gardons Mademoiselle Fisher un peu plus longtemps. Juste pour vous décourager, vous et votre partenaire, d'être trop créatifs. Adieu, Nate. Ce fut un plaisir. Ouais. Rigole, trou du cul. C'est pas fini. Oh,
pas le moment de mourir là par contre. Hein. Moi je veux mes 75 kills. Putain, ils prennent tellement pas. Vas-y, mais. Mais bouge ton cul toi! Je peux même pas te tuer! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fout ce mec quoi? Ah, j'ai oublié d'avancer comme ça pour le tuer. C'est bien triste. Putain, avec leur gilet pare-balles quoi, mais waouh, la vie qu'ils ont. C'est pas des pirates eux, hein, ça se voit, hein, c'est bon. Tu comprends la chose. Hein. Ok. Non, 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 mauvaise idée. Ah, mais les bêtes, c'est vrai. Ils vont m'aider, eux. Sans vouloir. Ils ont plus de confiance, mais voilà. Ils vont m'aider. Prends tes fucking balles. Merci bien. Non, mais où? Ce pistolet, je vais reprendre MPK. Attendez, c'est Space 12 ou MPK? Ah non, c'est Space 12. Il est plus puissant du coup. Voilà, attendez, MM4 c'est encore mieux. Toi, tu t'approches pas, ok? Merci. On va reprendre du space. On va les défourailler. Allez, c'est gratos mon gars. Ah c'est con, tu peux pas grimper hein. J'ai toujours aimé les feinter comme ça moi. Quand je te dis que je vais te défourailler, c'est pas pour rien. Ah, tu ne la fais pas, moi. MP40. On a plus de balles, faut prendre la M4. Hein. Par contre, ici, ça va être la guerre. Ah, bah voilà, c'est bon, je l'ai eu, mon truc. Je l'ai eu mon trophée. Plus c'est un trophée argent, ça veut dire. Maintenant je peux mourir en paix. Il n'y aura plus aucun souci. C'est la grosse guerre entre moi qui est tout seul. Eux et les petites bêtes. Ouais. Tu vois le genre de guerre quoi. Vas-y, pointe-toi. Merci. Merde. Ils sortent de là ou quoi? J'ai l'impression. Oh là là, regardez tout ce qu'il y a. Oh non, non, pas bonne idée. Ah, j'ai tenté, mais non, ça passe pas. Voilà, merci. Je récupère un pistolet. Oh, il est pas mort. Oh. On va me traiter de collabo, hein, c'est ça? Je suis vachement dans la merde. Je suis vachement dans la merde. Là, je suis ramassé les balles en plus.
Allez. Oh non. Comment elle repousse? Oh là là, quel bordel. On le rush, on le rush, on le rush. Hey. Cette gérance là. Ouh. Cette gérance. Cette gérance. Putain, on l'a enchaîné. Les petits là. Les petites bêtes, les grandes bêtes, on les a tous enchaînés, ça. Ça fait plaisir. Du coup, maintenant, les munes, les trésors, c'est pas. Des trucs comme ça qui traînent aléatoirement. Tum, 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 parce que là, je rends un cours de mune hein, pour moi, ça c'est pas top. C'est pas top du tout. Alors j'aurais dû me servir de mes grenades, mais j'ai pas l'habitude de le faire. Hein. Il y a un trésor. Il y a un trésor, il y a un trésor. Toi je t'ai vu. Je me rappelais aussi qu'il y avait un trésor en haut. Sur les piles de caisses. Pendant un type de dragon, oh il est beau. De dragon de mer en 46. Et il nous en manque 4 et objectif rempli. C'est possible hein. Moi j'y crois. Pourquoi vous spawnez encore hein? Vous avez rien demandé? Vous avez rien demandé? Ah, il tente de remonter là parce que j'en ai un peu marre. Chapitre 20, la course au sauvetage. Oh oui. Yeah. Sully, tu m'entends? Fais chier. Sully, répond. Ah, oh, Dieu soit loué. Nate, t'es où? J'arrive. Ils retiennent Elena, faut qu'on les arrête. Ouais, moi je suis dans la merde. Ces salopards m'empêchent d'entrer dans l'église. J'y suis presque. Trésor, lingot d'or, yeah. Bon bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode 12 du Let's Play sur Uncharted 1 Remastered sur PS4. En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un max de likes, de partage ainsi que de commentaires, ça me fera plaisir. Et sinon vraiment là on se rapproche énormément de la fin. Il reste du coup chapitre 20, 21, 22, 23 et 24, donc 5 chapitres. Je pense que l'espèce finira soit la semaine prochaine, soit lundi dans une semaine et demie environ. Mais voilà, on est très très proche de la fin et de toute façon on enchaînera après directement Uncharted 2. En tout cas sur ce, on se retrouve mardi. Bye tout le monde. Oh yeah.